Hey, you're listening to the Speakly French Podcast, the podcast that brings your French skills to the next level with stimulating listening exercises. Speakly listening exercises include vocabulary that covers a variety of topics that you can use in everyday conversations. Listening to our exercises will familiarize you with the speaking rhythm and pace of a native speaker. To receive the full benefit of this exercise, transcripts, translations, additional exercise types, and much more, go to www.speakly.me or download the Speakly app. Enjoy! Salut! Je m'appelle Geoffrey et je te souhaite la bienvenue sur cette expérience d'écoute. Dans cet exercice, je vais te parler un peu de moi. Écoute et essaie de voir ce que tu comprends. Comme je viens de le dire, je m'appelle Geoffrey. Et toi, comment t'appelles-tu? J'ai 30 ans. Quel âge as-tu? J'habite en France. Je suis de Paris, mais j'habite à Toulouse. J'aime Toulouse, mais j'aime Paris aussi. D'où viens-tu? As-tu déjà été à Toulouse? Je loue un appartement à Toulouse. Ma maison est petite, mais je l'aime. Mes amis disent que mon appartement est beau. J'aime mon chez-moi. Près de ma maison, il y a un parc. J'aime que mon travail ne soit pas loin de chez moi. Je travaille comme manager dans une grande entreprise. Je suis occupé tous les jours et je dois aller au travail tôt. Néanmoins, j'aime mon travail quand même. Je pense que mon travail est très intéressant. Est-ce que tu aimes ton travail? As-tu une grande famille? As-tu des enfants? Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai une grande famille. J'ai deux frères et une sœur. Ma sœur s'appelle Yvonne. Mon frère aîné s'appelle Lucas. Et mon frère cadet s'appelle Jean-Claude. Ma sœur est plus jeune que moi. Elle a 23 ans. Mon frère aîné a 32 ans. Et mon frère cadet a 28 ans. Nous sommes de bons amis. Nous nous voyons souvent, même si mes frères et ma sœur n'habitent pas à Toulouse. Ma sœur Yvonne vit à Bordeaux. Mon frère aîné, Lucas, vit à Lyon. Et mon frère cadet, Jean-Claude, vit à Lille. J'espère que tu as aimé cette histoire et que tu l'as trouvée inspirante. D'ailleurs, c'est un outil d'apprentissage génial qui t'aidera à apprendre le français beaucoup plus vite. Essaie d'écouter cet exercice plusieurs fois par jour, ne serait-ce qu'en arrière-plan pendant que tu fais autre chose. Et écoute-le au moins 3 à 5 jours d'affilée. Ainsi, tu te donnes assez de temps pour recevoir toutes les nouvelles informations et tu comprendras de plus en plus à chaque écoute. Continue donc ce bon travail. À la prochaine !